radio, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite nouvelle vidéo de pâtisserie. Donc aujourd'hui, nous avons un énorme projet à faire. C'est un gâteau à deux étages. Ouais. Voilà. Les coups s'envoient pour la construction. À tout de suite. C'est parti. Ethan, prends les petits scalibures et découpe-moi ce beurre en 1000 morceaux. Les amis, regardez, il a découpé le papier. Ils ont tous jamais faire ça. Du coup, maintenant, on sait même pas combien de grammes de beurre quoi. Dieu va être en colère. Oh non. Donc les amis, nous allons couper ce beurre. Et il en faut 130 grammes pour ceux qui ne le savaient pas. Waouh, c'est satisfaisant. Mais ouais, c'est satisfaisant. T'as oublié de le découper en 4. C'est pas grave. Oh, ça passe. Ça passe. Peut-être mon allure de l'histoire en cours, ça va prendre 10 minutes. Ah, c'est la débourre. Waouh. Perfect. Oh, mais quoi. Bien mélangé. Donc les amis, après avoir mis le beurre 30 secondes au micro-ondes, nous allons mettre les deux œufs. Quand ils sont sales, je vous conseille de prendre la partie où il n'y a pas de sale. Un. C'est là-bas. Et deux. Pas grave. On mélange. C'est parti, prochaine œuf. Voilà les œufs. On touille un peu et on mélange. Voilà une petite pâte. Je les ai mis le sucre. Le sucre vanillé. Pendant ce temps, avec le chocolat qu'ils font au bain-marie, on vous montrera ça juste après. Voilà les amis. Donc les amis, 100 grammes de farine, il n'en faut pas beaucoup par rapport aux autres gâteaux. 155. Ça fait beaucoup là, non? Oh,
106, ça passe. C'est pas tout à fait 100, mais j'en ai marre. C'est parti. On va donc aussi préparer la... D'abord, je mélange. Mange encore un peu. Une belle pâte homogène. C'est parti. Sucre. Enfin non. Levure chimique. Parti. Un sachet, ça suffit. Hein. Voilà, une belle pâte homogène. C'est vraiment magnifique. C'est parti. Une pincée de sel. Regardez ça. Donc ceci, regardez autour, c'est un bol avec du chocolat et ça fond sous de l'eau ultra bouillante. Et donc en fait, on a fait bouillir de l'eau, on a mis un bol par-dessus et on a mis les chocolats. Et c'est un truc qui consiste à faire fondre le chocolat de façon... n'importe, ça fait fondre le chocolat, voilà. Et pour moi, je vous préviens, la moindre petite erreur, il faut qu'il n'y ait zéro eau qui pénètre dans... le bol avec le chocolat. Donc on va pouvoir un peu mélanger. J'ai peur. Regardez, ça glisse. Oh, les amis. Donc les amis, voilà. Et nous allons passer à la suite. A tout de suite. Donc les amis, une fois avoir fait fondre le chocolat en bain-marie, nous allons le mettre dans la pâte. C'est ultra chaud, alors moi je le fais à la cuillère. Là, une. 2 C'est chaud papa. Je te jure c'est chaud. Fais attention. Donc que tu te brûles. Mal à la main. Donc les amis, nous allons manger le moment le plus satisfaisant dans la vidéo. La pâte va se transformer entièrement en noir. Faut bien fouetter, hein. Donc voilà, donc les amis, juste après avoir fait ça, vous avez besoin de chemiser, c'est-à-dire habiller un mou. Donc en fait, vous devez mettre du beurre, vous frottez partout, vous mettez un peu de farine, vous enlevez la farine parce qu'il ne faut pas qu'on en aille trop, et après ça donne ça. Et après, on va verser notre magnifique pâte à gâteau pour faire un magnifique gâteau. Pourquoi tu as mis du chocolat sur la main? Donc les amis, voilà ce que ça donne. Et nous allons transpercer les gâteaux. Ah, dégage le gâteau. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. J'ai plus de mains, j'ai plus de bras, j'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Aïe. Ouh. Ah, merci. Ça va descendre là ou quoi? Après, je lècherai le bol au pire. C'est pas grave. Bon, la petite cuillère, ce sera peut-être mieux. Ouais. Salut Nora. J'ai remplacé mon outil qui s'appelle le fouet par une cuillère. C'est d'un coup. Voilà, donc une fois avoir bien réparti la pâte à chocolat partout dans le moule, faut pas qu'il y ait un endroit où on l'a pas. Bon, évidemment, je suis désolée, tu vas souffrir pendant 20 minutes, mais c'est pour la bonne cause. Ça va faire mal. Je vais imiter la tête.
Une deuxième main se revoit à la fin du gâteau. Et c'est pas du tout à la fin de la vidéo. A tout de suite. Waouh. Waouh. Tout chic de toute beauté. C'est magnifique. Waouh. Donc les amis, nous allons faire un écureuil en pâte d'amande. Voici une petite recette pour comment faire. Alors du coup, il faut qu'on commence par faire un petit boudin. Quand on est plus petit. Donc les amis, on dirait très bien clairement une saucisse. Parce que si on voit le contour là, on dirait une saucisse. Donc les amis, nous allons devoir faire de toutes petites fentes. C'est pas obligé d'en faire des grosses. Juste normal. Comme ça. Voilà. Dès qu'on a à peu près ça, on peut le replier sur lui-même. Ça donne à peu près ça. Si vous l'avez bien fait. Après, nous allons faire le but suivant. Nous allons devoir faire une boule plate, puis ensuite nous allons devoir essayer de la customiser pour que ça fasse une sorte d'oreille quoi, de tête. On n'est pas obligé de la malaxer longtemps aussi, là vous voyez, on a une belle petite boule. Maintenant on va commencer à la scier, c'est-à-dire à plier un tout petit peu. Et donc voilà les amis, nous avons la petite oreille qui est magnifique. On va refaire la même chose comme on vient de faire. Regardez, on va faire une petite fente juste ici. Et voilà. Les amis, nous avons la queue. En fait, vous allez devoir la plier un peu. Comme ça, regardez. On va devoir la fixer, si vous voyez bien. On va bien prendre le côté de la tête. Et voilà. Donc les amis, nous allons faire un tour de magie. Nous allons faire apparaître un écureuil. Par la magie ancestrale de Akadabra, un écureuil. Voilà. Donc les amis, si vous voulez lui faire des yeux, regardez. Vas-y, lui faire des tout petits trucs. Il fait peur mon truc. Attendez, vous avez un peu. Attendez. Tadam. Regardez, les amis. Le truc, on a l'impression qu'il fait de la luge. Sur du gâteau. Par le pouvoir de Agatha Babra, un éléphant est apparu. Regardez, les amis. Un truc de dingue. Ah non, c'est un truc qui vient dans la maison là. Tenez, regardez, il fait des pompes. Donc les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas sincèrement à vous abonner, à mettre des pouces bleus et tout le charabia. Donc les amis, j'ai envie de vous dire qu'une seule chose. Au revoir tout le monde et passez une bonne soirée. Ouais, au revoir tout le monde. L'art du chef. Thank you.